Pesticides, médicaments, métaux lourds, produits ménagers. L'activité humaine génère un grand nombre de substances chimiques dans l'environnement, notamment dans les eaux. Or, ces polluants ne sont pas toujours traités correctement dans les stations d'épuration. La raison ? Ils sont présents en trop faible quantité pour être traités par les méthodes traditionnelles. Il faut savoir que dans l'eau, à l'échelle de très faible concentration, on a un très grand nombre de micropolluants qu'il va falloir détecter parce qu'ils peuvent être dangereux même à ces faibles concentrations. Donc pour les détecter, il va falloir en fait développer des capteurs pour chacun des micropolluants. Il est nécessaire aussi de les traiter, donc de développer des procédés de dépollution. Détecter et traiter ces micropolluants, c'est l'objectif de DECAP, une plateforme qui fait partie du programme PIVOT, un ensemble unique de 7 plateformes scientifiques consacrées à la préservation de l'environnement. PIVOT est situé en région Centre-Val de Loire. Les laboratoires DECAP se concentrent donc sur une dizaine de substances particulièrement présentes dans la région. L'objectif est de trouver des solutions peu onéreuses, applicables de façon industrielle. Il faut que ce soit transposable à l'échelle industrielle. Si on présente un capteur qui est trop cher, mais qui détecte tout, ça n'a pas d'intérêt. Aucun industriel ne voudra le produire. Le but, c'est vraiment d'avoir des capteurs de faible coût qui puissent être produits à très grande échelle pour être déployés à grande échelle aussi. On crée nos capteurs en partant de rien. On va commencer à travailler sur le matériau même du capteur, donc principalement des capteurs à base de carbone. Pourquoi ? Pour une question de coût. Ensuite, on va travailler sur ce qu'on appelle la modification de surface. On va fonctionnaliser nos capteurs pour les rendre spécifiques à la détection de certains polluants. La surface du capteur est greffée, c'est-à-dire que l'on y implante des groupements chimiques qui vont reconnaître et capter le polluant ciblé par la mesure. Ce greffage va permettre de rendre le capteur sensible, car on concentre le polluant à la surface du capteur, mais aussi sélectif, puisque ne sera détecté que le polluant clé correspondant à la serrure. Le but là, vraiment de nos capteurs, c'est de les placer dans les cours d'eau, de manière à avoir à terme un réseau de capteurs intelligents sur l'ensemble des cours d'eau, afin de pouvoir proposer une détection en temps réel avec un seul opérateur qui gère l'ensemble. Et en cas de pollution, qui puisse déclencher les mesures nécessaires à arrêter la pollution du cours d'eau, par exemple. Une fois détecté, il faut aussi dépolluer. C'est l'autre activité de DECAP. On élabore des procédés d'oxydation avancée qui permettent de créer des espèces qui vont aller réagir efficacement avec les micropolluants. On va générer des radicaux hydroxyles, par exemple, donc les radicaux OH, qui vont être beaucoup plus réactifs avec les micropolluants que le chlore, par exemple, qu'on peut trouver de façon traditionnelle pour les procédés de nettoyage ou de dégradation. Donc on va coupler également les procédés à l'ICMN et au GREMI afin de trouver les meilleurs procédés très efficaces pour le traitement des micropolluants et être capable de générer également des espèces qui ne seront pas toxiques pour, en aval et qui vont permettre d'être traitées dans les stations d'épuration conventionnelles. Les chercheurs de la plateforme DECAP continuent à développer de nouvelles techniques afin d'élaborer des capteurs encore plus performants et pouvoir également détecter de nouvelles substances.